Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc, gloire à Dieu. Ben, bonjour à tous ceux qui peuvent suivre nous sur YouTube. Et bonjour à tous ceux qui peuvent suivre nous sur Facebook. Nous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Nous, moi, je m'appelle James. Mon épouse s'appelle Shefali. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, on va faire bon anniversaire. Et nous, les pasteurs de Christian Family Church International Île Maurice, et nous tenions à remercier, mais d'abord le Seigneur pour la grâce qu'il a fait à nous. Et deuxièmement, nous tenions à remercier toutes les bonnes personnes qui tout le temps gardent dans la prière, qui tout le temps partagent, j'ai de l'amour ensemble avec nous, prier pour nous et tous ceux qui l'a toujours pour nous. Merci, merci à toutes ces bonnes personnes formidables. Et nous avons bon du monde dans le monde. Et nous avons bon du monde dans le monde. Et nous remercions pour votre soutien envers ce ministère, envers nous la vie comme amis, envers nous la vie comme peut-être neveux, peut-être comme enfants, peut-être comme camarades, ainsi de suite. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui peuvent log in maintenant et pour apprendre le troisième partie. La force de la foi. Bonjour à Marie-Christine, bonjour à Anastasia, bonjour à Divya, bonjour à Stella. Gloire à Jésus-Christ. Stella, mon connerie, quand il y en a 12 ans, comme maintenant il y en a 92 ans. Donc, Stella, nous tenions à remercier toi pour ta fidélité. Lisby, Béatrice, Noah, sois béni. Josiane, la sœur, Josiane, sois bénie, la sœur Lisby, le frère Mike. Bon, puis j'ai envie de dire bonjour à tout le monde maintenant, comme ça qu'on nous rentre dans nos enseignements. Nous rentre direct dans nos enseignements. Sœur Sheila, bonjour. Shirley, bonjour. Gloire à Jésus-Christ. Sylvie, la sœur Sylvie, bonjour. Sylvie, la famille Rose, sois bénie. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alors, nous parlons de quelque chose aujourd'hui qui peut aider nous, comment toujours pour persévérer dans la vie. Vous connaissez, frères et sœurs, une quelque chose qui nous envie de dire, c'est qui ou pas. Laisse ou pas, laisse découragement prendre le dessus, ok? Daniela, bonjour. Georges, lui, mon frère, bonjour. Et aussi à tous ceux qui peuvent dire nous bonjour, bonjour à tout le monde, shalom à tout le monde. Alors, jamais on laisse les découragements et les désespoirs envahir ou soit tout ou la foi. Nous pas l'apprendre ça aujourd'hui, nous pas l'apprendre aussi dans la vie d'un homme. Dans la Bible qui s'appelle Jairus, comment il persévérait dans la foi. Semaine dernière, nous t'apprenons que nous, la foi, il a fait plusieurs choses et nous, bien sûr, nous, la foi pour nous dire la foi, nous, la foi, il causait, nous, la foi, il commandait, nous, la foi, il demandait, nous, la foi, il priait, nous, la foi, il confessait, nous, la foi, il agir, nous, la foi, il bisait persévérer, les besoins endurer, les besoins persévérer, irrespectivement tempête de la vie, irrespectivement défi de la vie, nous la foi besoin plus fort que toute l'opposition, nous la foi besoin plus fort que toute l'opinion bandimun, nous la foi besoin persévérer en toutes choses. Et puis nous apprendre un huitième qui dit à nous comme ça, nous la foi l'y offert. Merci, bonjour aussi à nos frères Kersley, nos frères Michel Moutialou, donc à tout le monde qui est là et tout le monde qui peut dire bon anniversaire à mon épouse. Merci, merci, merci pour cet amour, pour cette compassion, pour cette collaboration ensemble avec nous. Bonjour aussi à Valérie, la famille Berg, merci beaucoup pour votre fidélité envers Dieu. Gloire à Jésus-Christ. OK. Tout à l'heure, nous encourageons de préparer un petit verre qui est un fruit de la vigne là-dedans et aussi, frères et sœurs, préparer un du pain. Laisse-moi mettre-moi confortablement avant, OK, avant qu'il m'enseigne la parole de Dieu, parce que le fruit de la vie et le pain, parce que nous avons prendre la Sainte Cène ensemble comme une famille. Sois béni que nous sommes capables de prendre ça ensemble. La Sainte Cène, il représente l'alliance qui nous fait avec Dieu et nous peut dire, Seigneur, oui, nous avons l'alliance avec toi. Tout ça qui pour bon Dieu pour nous et tout ça qui pour nous pour bon Dieu, c'est un échange, OK. Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, il fait ce qu'il nous appelle le grand échange. Il prend nous l'amour spirituel, il de nous la vie spirituelle. L'une prend nous l'amour, l'une de nous la vie éternelle. Quand nous mourons, un jour nous tous mourons, frères et sœurs, quand nous mourons, d'être absent ici sur terre veut dire nous présents devant le Seigneur. Nous avons accès pour rentrer dans les ciels grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous tenons à remercier le Seigneur pour ça, pour cette grâce qu'il fait à nous. OK? Deuxièmement, nous comprenons que sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ il fait un autre échange. L'une prend nous maladie. L'une de nous, la guérison et la bonne et parfaite santé. Nous comprenons, il prend nos malédictions.
il donne nous bénédiction. Il prend toutes nos pauvretés, il donne nous la prospérité. Tout cela, c'est pour la grâce. Et nous tenons à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce. Alors, là, frères et sœurs, non seulement qu'il vous demande de préparer un petit pain et prépare le fruit de la vigne, mais pour encourager aussi, prends la Bible, je te caille note et je te plume. Prends la Bible, je te caille note et je te plume. Et vous êtes content si vous êtes capable, s'il vous plaît, frères et sœurs, Porte à ça avec tout, le porte à ça le YouTube, porte à ça avec bonne personne, afin qu'ils se disent qu'ils apprennent la parole de Dieu. Parce qu'une seule parole, bon Dieu, capable de changer la vie entière. Une seule parole, bon Dieu, capable de changer la vie entière. Peut-être tes camarades, tes frères, tes sœurs, tes parents, bien entendre sa parole-là, une parole d'encouragement. Donc, m'encouragez, s'il vous plaît, porte à ça dans cette world. Fais un watch avec ça pour que par la grâce de Dieu, la parole de Dieu capable d'influencer plus beaucoup de personnes et capable d'être sa bonne personne, comprend c'est qui est Dieu et qui bon Dieu capable de faire pour nous. Okay? Donc, nous tenons à remercier pour ceux qui peuvent logon maintenant, le frère David, la soeur Sophia Ganou, soit béni. Tous ceux qui peuvent aussi joindre nous sur Facebook, merci à tous ceux qui ont souhaité d'anniversaire, ainsi de suite. Alors, porte à ça avant de commencer, frères et sœurs, parce que ce sera un enseignement qui peut ouvrir nos lisiers, qui peut ouvrir nos lisiers spirituels, qui peut faire nos oreilles entendre le mystère qui est caché dans la parole de Dieu, qui peut donner nous une révélation. N'a pas oublié quelque chose, frères et sœurs. Chaque révélation est capable de nous une élévation. Chaque révélation qui nous entend la parole, qui nous croit sa parole-là, quand nous croit la révélation de la parole de Dieu et quand nous cause sa révélation-là. Écoute ça, frères et sœurs. Révélation. Écoute bien là. Hein? Révélation. Je crois sa révélation-là. Quand je crois qu'il me fait révélation, confession, action, bénédiction. Vous aurez déjà dit pour toi. Révélation, confession, te confesse sa révélation-là, te crois-lui, bien sûr, après te confesse-lui, te confesse sa révélation-là, te agir, action de sa révélation-là, là, te en route vers te bénédiction, te en route vers te solution. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le matin, dimanche matin, nous faisons nous live en créole et dans le samedi soir, on Saturday nights, we do it in English. So, God bless you. Dieu bénisse. Laisse-nous commencer aujourd'hui, frères et sœurs. Laisse-nous appeler l'enseignant qui pour enseigner nous ce matin, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui nous enseignant. Laisse-nous nous invite l'enseignant de nous la vie, le Saint-Esprit de Dieu, pour venir enseigner nous la parole de Dieu. Nous coupons la tête, nous fermons les yeux, nous lèvons la main. Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, me dire rien de moi, mais tout de toi. Vous priez, Seigneur, qui te pense à travers de mes pensées et parle à travers de moi la bouche. Une seule parole de toi capable change nous la vie. Seigneur, nous ne venons là pas assis au pied de Jésus-Christ pour recevoir de toi, pour recevoir instruction, pour recevoir révélation, pour recevoir aussi correction, afin qu'il nous aligne nos pensées avec tes pensées et aligne nous la vie avec tes volontés. Papa, moi, honore ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui donne nous la vie. C'est toi qui ouvres nos lisiers. Tiens tous les cailles dans nos lisiers maintenant même. Tiens-nous dans l'aveuglement de la parole de Dieu. Tiens-nous dans l'aveuglement de dimensions spirituelles. Aide-nous lisiers pour trouver une petite chose qui toi t'en réserver pour nous. Aide-nous aurait pour entendre une parole d'instruction, une parole de révélation. Aide-nous les cœurs pour comprendre et croire. Aide-nous les cœurs pour comprendre et croire. Et aide-nous pour prêt à agir notre parole. Saint-Esprit, viens. Enseigner, diriger, aide-nous, bâtir-nous la foi. Maintenant même, nous rentrons dans la maison du potier. Le potier, maintenant même, nous sommes logés. Commence façonne-nous par ta parole. Commence aide-nous par ta parole. Merci, papa. Mon loué toi, mon béni toi, bonheur, toi tout seul, tout l'honneur, toute la gloire. Pour tout ce qui te peut dire et pour tout ce qui te peut faire de nous la vie. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous te dire ensemble. Amen. Amen et Amen. Sois béni, gloire à Dieu. Alors, première petite chose qui m'envie nous venir la Bible dans les livres de Romains, chapitre 4, nous pécause la force de la foi. Vous les répète ce qui m'ont dit, frères et sœurs, que nous la foi libisant activée, nous la foi libisant activée pour faire une petite chose. Laisse-moi répéter une petite chose que nous la foi libisant faire. Nous la foi libisant causer. Nous bisons cause ce qui nous croit. Nous passons croire,
nous croyons ce que nous croyons. Nous la foi, besoin causer. Nous la foi, il y a l'habilité pour commander. Nous la foi, il y a besoin demander. Nous faisons demander dans la prière, nous faisons commander sous l'instruction de Dieu. Nous la foi, il y a commander, nous la foi, il y a demander. Nous la foi, il y a aussi prier. Bon, la foi que nous prions, frères et sœurs. Nous la foi, il y a besoin confesser. Nous besoin maintenir nos confessions. Tous les jours, je dis un mot béni dans le nom de Jésus-Christ. Tous les jours, je dis un mot guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tous les jours, je dis un mot protégé par le sang de Jésus-Christ. Je te confesse la parole de Dieu. Après, la Bible dit nous comme ça qu'il nous besoin agir par la foi. Nous besoin agir. Nous, la foi, besoin rentrer en action. La foi sans les œuvres, l'immor. La foi sans les œuvres, l'immor. Puis, la Bible dit nous comme ça, ça m'a qui, je te souligne ça, bien important, ma soeur. Nous, la foi, besoin persévérer. Nous, la foi, besoin persévérer. Irrespective de la tempête de la vie. Par cause, nous marchons par la foi qui veut dire nous pas pour gagner aucune tempête. Bien au contraire, quand nous marchons par la foi, nous pouvons gagner un défi de la vie, nous pouvons gagner une tempête de la vie, nous pouvons gagner une situation difficile, nous pouvons gagner une persécution, nous pouvons gagner une affliction, mais nous la foi bien plus fort que toute l'opposition, et nous la foi bien plus fort, nous la foi en Dieu, rappelez bien, nous la foi bien en Dieu, nous la foi n'est pas d'une dénomination, nous la foi n'est pas d'un homme, nous la foi bien dans Dieu, nous la foi bien dans Dieu et dans sa parole, nous la foi bien dans Dieu et dans sa parole, comme la foi dans Dieu et dans sa parole, peu importe le temps de la vie, me connais, me besoin persévérer parce que vous voyez, frères et sœurs, les tempêtes pour arrêter, les tempêtes pour cesser, mais la parole de Dieu, l'éternel. Toute chose qui te peut passer là, l'est temporaire. Rappelle bien ce qui m'a peut dire toi. Peu importe ce qui te peut passer là, moi peut-être pas comme personnellement ce qui te peut passer, mais ce qui te peut passer, l'est temporaire, l'est pas pour toujours. Ça veut dire quand l'est temporaire, veut dire l'est pour changer. Tes circonstances négatives, pour changer. Ton problème finance, il peut changer. Ton problème physique, il peut changer. Ton problème familial, il peut changer. Il peut changer quand tu pries. Il peut changer quand toi te changer et te dire, Seigneur, mon besoin toi. Parce que moi, par mon propre la force physique, par mon propre la force de mon éducation, mon papa est capable. Mais seulement, quand moi pas capable, la grâce de Dieu est capable. Dieu peut faire toutes choses pour nous. Non, il n'est pas impossible pour Dieu. Et non, il n'est pas impossible pour celui qui croit. Si tu es un croyant, non, il n'est pas impossible pour toi parce qu'il nous croit d'un Dieu qui fait l'impossible, vite possible. Dieu lui fait l'impossible, vite possible. N'a pas oublié, à chaque fois que Dieu se t'a envoyé la parole de Dieu, à chaque fois qu'il te cause la parole de Dieu, Dieu, sa parole, rentre en mission. Il rentre dans une mission là. Mission là qui apparaît impossible. Mais seulement quand bon Dieu, sa parole, il y a la mission, il y a toute sa circonstance là, il y retourne mission accompli. Accompli pourquoi? Parce que Dieu lui fait toutes choses par sa parole. La Bible dit nous comme ça, Dieu lui veille sa parole pour accomplir sa parole. Alors quand tu causes sa parole, quand tu causes sa parole, Dieu peut agir pour toi. Maintenir pour toujours cause la parole de Dieu. Alors, Romains chapitre 4, si vous voulez, frères et sœurs, nous parlons de Dieu dans la vie d'un homme qui est connu comme le père de la foi. D'accord? Le père de la foi s'appelle Abraham. Nous guettons un petit coup sur l'exemple dans le livre de Romains, chapitre 4, Romains, chapitre 4, verset 17. Et là, nous pouvons apprendre sur le livre quelque chose qui est très important dans notre vie. Après, nous parlons de la vie de Jairus. Nous parlons apprendre sept obstacles qui nous besoin vaincre pour nous réussir à atteindre une certaine destination, ou un certain miracle, ou un certain un niveau élévation de notre vie. D'accord, frères et sœurs? Vous pouvez expliquer ça. Alors, prends votre cahier, je peux mettre la Bible. Là, nous pouvons étudier la foi d'Abraham. Il est connu comme le père de la foi. Il est connu comme le père de la foi. Laisse-nous prendre, s'il vous plaît. Romains, chapitre 4, Romains, chapitre 4, le verset 17 jusqu'à le verset 22. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Dieu peut causer. J'ai été établi père. Maintenant, Abraham, si vous rappelez, écoute-moi bien la phrase de Sœur Morena pour enseigner quelque chose. Abraham, il est sorti dans un endroit qui est frappé par une malédiction. Écoute-moi bien, hein. Abraham, sorti d'un endroit. Dans cet endroit-là, c'est un fléau de malédiction. Abraham, sa famille, dans ce lien familial, c'est une malédiction. Suis-moi bien là. Peut-être que tu peux vivre dans cette phase-là, qui dans ton foyer, dans ta famille, dans la ligne familiale, est une malédiction. La malédiction d'Abraham et de Sarai, c'est que je ne suis pas capable d'avoir des enfants. C'est une malédiction physique, le jeu de la vie. Je suis stérile. OK? Dans l'endroit-là, frère, si vous lisez la Bible, tonton Laban, tu es content en bête d'immune, Abraham même tu es en bête d'immune,
OK? Donc, je tiens un, dans sa territoire que tu te sortis là, tu embêtes beaucoup du monde. Je tiens un caractère qui te tout le temps embête du monde. Tout le temps cause menti à du monde. Comprends-moi là? Il y a un lien, ça, qui nous bise à briser. Frère et soeur, écoute-moi. Bon, ben, moi, il y a quelque chose qui est très important ce matin. Lorsque mon père nettoie la cour, mon bon Dieu cause en moi quelque chose. Ne visons pas juste content bon Dieu pour ce ban de promesse. Nous visons aussi content bon Dieu pour ce principe. Dieu, il y a un Dieu qui est la promesse, mais il y a aussi un Dieu de principe. Donc, nous visons apprendre à respecter le principe de Dieu et croire les promesses de Dieu. Nous pas juste rôde miracle, nous visons aussi apprendre à comprendre ce message et vivre par ce message-là. Alors, ce n'est pas juste miracle qui est important, c'est le message de Jésus-Christ qui est important. Le message qui dit à nous comme ça, pardonne-nous les uns les autres. Le message qui dit à nous comme ça, marche dans l'amour. Le message qui dit à nous comme ça, marche selon l'esprit. Le message qui dit à nous comme ça, arrête cause mentir, arrête coquin, arrête faire de mauvaises petites choses, sorti dans sa, ce, du péché-là. Ça va, le message-là, il est très important. Ça, c'est le principe de la parole de Dieu. Ça, c'est le message de Dieu. Là, nous gagnons les promesses de Dieu aussi. Les promesses comme le miracle. D'accord, frères et sœurs? Donc, mon courage, frères et sœurs. Pas juste content, bon Dieu, pour ça qui vous a gagné, mais content, bon Dieu. Juste content au bon Dieu. Au bon Dieu, il y a un Dieu de principe. Vigne dans la façon qu'il dit où vini. Agir dans la façon qu'il dit où agir. Dieu, il y a un Dieu de grâce, mais il y a aussi un Dieu de l'ordre. Dieu, il y a un Dieu de grâce, mais il y a aussi un Dieu de l'ordre. Alors, nous besoin accepter et recevoir l'ordre de Dieu. Alors, pour le capable briser sa bande quelque chose là, frère, nous disons, écoute aussi le principe de Dieu. OK, dans le livre de Romains chapitre 4, les versets 17, la Bible dit nous comme ça. Je t'établis père d'un grand nombre de nations. Je t'établis père d'un grand nombre de il nations. Est notre père devant celui auquel il a cru. Oui. Dieu. L'incroyable Dieu. Guette bien, hein? Écris ça dans Caïnut, Abraham in croit Dieu. Abraham in croit Dieu, oui. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses. OK, là nous venons quelque chose bien important. Guette bien comment bon Dieu agir. Dieu appelle les choses. Moi, écris ça. Écris ça dans le cahier neutre. Écris ça dans la Bible. Grave ça dans l'équerre. Mets ça bien dans vos pensées. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comme si elles étaient. C'est qui nous appelle la foi. T'as pas cause ça qui te trouvait, t'as cause ça qui t'as envie de trouver. T'as pas cause qui te peut passer, t'as cause ça qui t'as envie de trouver passer dans ta vie. T'as pas, excuse-moi avec tout respect, frères et sœurs, t'as pas plaigner, t'as prier. T'as pas plaigner, t'as prier. T'as pas murmurer, t'as cause ce message. T'as pas murmurer, t'as cause ce message. Sème, ça veut dire, en a la foi en Dieu. Tu appelles ben quelque chose qui pas existé comme si ça existait. Rappelle, comment est-ce que Jésus-Christ ressuscite Lazare? Tout le monde peut dire, Lazare est mort, Lazare est mort, Lazare est mort. Mais quand Jésus-Christ finit, il dit, Lazare sort. Il n'est pas que ça qu'il a trouvé, il n'est que ça qu'il a envie de trouver. La Bible dit nous dans le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 2, la terre était informe et vide, et il y a ténèbres sur la surface des eaux. Mais qui bon Dieu dit? Bon Dieu, bon Dieu, vous êtes tourné Saint-Esprit, il fait noir. Aïe, Saint-Esprit, il y a des autres. Aïe, il y a ce problème-là. Il y a cette catastrophe-là, Saint-Esprit. Jésus, qui nous vous a fait là? Non, bon Dieu, pas de cause comme ça. Bon Dieu, pas de cause comme ça. Il y a ça des autres-là. Aïe, bap. Non, il n'y a pas de ça. Bon Dieu, ce qu'il dit, il dit la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu change condition. Dieu change problème dans la terre. Par la puissance de sa parole. Et Dieu finit donne-toi l'autorité pour servir sa parole-là. Quand tu crois sa parole, tu as besoin de cause sa parole et agir sur sa parole. Gloire à Dieu. Donc, Abraham, il croit cinq mots simples. C'est quoi ces cinq mots simples? Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance. L'espérance contre toute l'espérance. Il crut. L'in croit. En sorte qu'il devint père. Dans d'autres mots, frères et sœurs, écoute-moi bien, s'il vous plaît. Abraham, pas perdu l'espoir. Mon frère, mon sœur. Là que tu étais, là, tu es un homme de foyer, un homme de famille, une femme de foyer, une femme de famille, un homme qui travaille, une femme qui travaille, une maman, un papa. Frère, pas perdre l'espoir, pas relâche l'espoir, pas venir dire désespéré ou qui peine à l'espoir. Moi, encourage-toi. Tant que bon Dieu lit à nos côtés, sa situation-là pour changer. Seule petite chose que bon Dieu dit à toi, c'est collaborer ensemble avec lui. Comment est-ce qu'il m'a collaboré avec Dieu? Il m'a collaboré
pour avoir la foi. Pour collaborer, pour avoir la foi. Alors, vas-y, qui dit? En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Alors, Dieu donne-lui une parole simple. C'est quoi sa parole-là? Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. En français, il y a quatre mots simples. Telle sera ta postérité. Écoute-moi, frères et sœurs, pour dire quelque chose qui est très, très important. Dans chaque verset de la Bible qui te croit, elle a suffisamment de puissance dans sa verset-là pour changer de la vie. Dans chaque verset de la Bible qui te croit, elle a suffisamment de puissance dans sa verset-là pour changer de la vie entière. D'accord? Abraham, cette parole, il croit. Telle sera ta postérité. Il croit ça. Bon Dieu, montre-lui, bon Dieu, montre-lui les étoiles. Bon Dieu, montre-lui les sables. Et il croit ça. Bon, bien, en Saint-Jude, bientôt, le Saint-Esprit finit de moi cette ordre. Enseigne aux bons enfants leur vision. Ça qui te guette pour affecter toi. Ça qui te peut guetter. Ça qui te visionner. Ça pour affecter ton raisonnement. Okay? Ça pour affecter te la vie. Okay? Vision est important. Mais aujourd'hui, les Saint-Esprit finit de moi un autre pour cause de la foi. Alors, laisse-nous prendre note encore. Vas-y. Et sans faiblir dans la foi. Allez, arrête la même. Écris ça. Sans faiblir dans la foi. Ça veut dire qu'Abraham, tu es capable de faiblir dans la foi. Mais il prend une décision. Pas oublier, frères et sœurs. Désir dans les tout seul, pas capable de faire toi arriver à ta destination. Désir, les bon, c'est le début. Mais besoin d'un désir pour moi arriver. Mais désir, pas faire toi arriver à ta destination. Donne-toi encore deux D. Désir, ok. Après, tu besoin d'une décision. Tu besoin de prendre une décision. Troisième, tu besoin une discipline. OK? Donc, te décider pour dire, ah, je crois de tout mon cœur, ce qui bon Dieu me dit, c'est ça qui pour moi. N'a pas oublié quelque chose qui nous peut enseigner de dire, moi, ce qui bon Dieu, Dieu m'a été. Écris ça, grave ça, mets ça à l'autre l'équerre. Tu pas ce qui dit, mon Dieu, tu étais. Tu ce qui bon Dieu, Dieu, tu étais. Tu es capable de faire ce qui bon Dieu, Dieu, tu es capable de faire. Tu es capable de faire ce qui bon Dieu, Dieu, tu es capable de faire. Et tu es capable de faire ce qui bon Dieu, Dieu, tu es capable de faire. Tu es capable de faire ce qui bon Dieu, Dieu, tu es capable de faire. Ça, c'est pas une promesse de Dieu, ça, frères et sœurs. Tu es pas ce qui dit, Dieu, tu étais. Tu pas, arrête d'être ce qui te paye. Commence, remercie bon Dieu pour ce qui tu es là. Et tu es capable de gagner en cours, ban quitte chose. Bon Dieu réserve bénédiction pour nous. La mort sur la croix du calvaire, c'était pas juste pour te rendre dans les ciels. Non, la mort sur la croix du calvaire, c'est qui te capable de ban bénéfice aujourd'hui. L'eau, la terre. Ben, bénéfice comme, par exemple, la bonne et parfaite santé ou la guérison. Ben, bénéfice comme, par exemple, la délivrance. Ben, bénéfice comme, par exemple, ben, bénédiction. Bénédiction financière, bénédiction dans toute la vie. Bénédiction pour briser, ben, malédiction héréditaire dans toute la vie. C'est pas juste bénédiction financière, frères et sœurs. C'est toutes sortes de bénédictions. Bon Dieu, on veut bénir toi avec toutes sortes de bénédictions. Un de ma traduction de ce mot bénédiction veut dire l'habilité pour progresser. Un de ma traduction de ce mot bénédiction là veut dire l'habilité pour progresser, la force de progression. Donc, quand bon Dieu bénit nous, il donne nous la force de progression. Écris ça par là. Moi, j'ai la force de progrès parce que bon Dieu fait bénir moi. Quand bon Dieu se la met sur toi, bon Dieu se la met pour faire toi progresser. Bon Dieu se la met pour faire toi avancer. Bon Dieu se la met pour faire toi rêver une réalité. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, il n'y a pas de faiblir dans la foi, mon frère, mon soeur, quand tu guettes tes circonstances, tu commences négativement influence de la foi. Dès que tu commences faiblir dans la foi. N'a pas faibli dans la foi. Guette tes bonhommes, guette tes madames, guette tes enfants, et j'ai dit comme ça, n'a pas faibli dans la foi. N'a pas perdu l'espoir. N'a pas faibli dans la foi. N'a pas perdu l'espoir. Allez, nous continuons à se dire, qui bon Dieu, sa parole dire. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Guette moi, tu constates, quand est-ce qu'il te faiblit dans la foi? Comment est-ce qu'il te faiblit dans la foi? Te faiblit dans la foi quand tu commences guette tes bonnes circonstances. Quand tu commences guette la situation. Quand tu maximises tes problèmes et tu minimises les promesses de Dieu. Là, tu commences faibli dans la foi. Non, guette qui Abraham fait. Abraham pas guette ses circonstances, il pas guette l'état de son corps, il pas guette l'état du corps de son épouse. Qu'est-ce qu'il a fait?
il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait déjà près de 100 ans. Parce qu'il tenait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir. Et Sarah, naturellement, écoute-moi bien là, hein, Sarah, naturellement, partit dans un état. Frères et sœurs, il n'est pas. Un dimanche qui vit par la foi, il n'est pas considéré ou il n'est pas influencé par ce l'état naturel. Il y a un coup sur l'état spirituel. Il y a un coup qui bon Dieu fait promettre lui. Suivez-moi bien là, hein, parce qu'il nous parle de sept obstacles. Continuez. Il ne douta point. Il ne douta point. Mon frère, mon soeur, m'encourage pas de bon Dieu sur parole. Bon Dieu pouvait le sur parole pour accomplir sur parole. Nous servons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui intègre, un Dieu qui est puissant. Si Dieu, il promet toi ça, Dieu pour faire lit. Mais simplement, tu dois croire que la Bible dit nous. Quand tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. Donc, pour te trouver la gloire de Dieu, tu as besoin de croire. Gloire à Dieu. Vas-y. Il ne douta point. Il ne douta point. Par l'incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. C'est quoi la promesse? La promesse était simple. Telle sera ta postérité. Il n'est pas douté de sa promesse là. Sa quatre mots là, suis-moi bien, sa quatre mots là, tu n'as plus beaucoup l'impact. Sa quatre mots là, il t'y plus croit sa quatre mots là qu'il l'état naturel de cela vie. Il t'y plus croit la parole de Dieu, sa quatre paroles bon Dieu là, sa quatre petites choses qui bon Dieu dit là. Telle sera ta postérité. Il dit croit ça, il laisse-lui influencer par ça, il garde sur égale sa parole là, il pas considère l'état naturel de son écho, l'état naturel du corps de Sarah, non, il considère la puissance de la parole de Dieu. Il considère la puissance de la parole de Dieu. Qui en a pris beaucoup l'influence dans la vie? Parole du monde, ne soit parole bon Dieu. Qui en a pris beaucoup l'influence dans la vie? Que ça te plie croire? Te croire condition, te l'écho, ou ça te croire promesse bon Dieu? Tu as besoin de décider aujourd'hui. Alors, on n'a pas oublié, tu commences par un désir. Mais là, tu commences par une décision ferme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quant à moi, mort pour mort, selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ma force. La parole de Dieu, c'est ma vie. Jésus-Christ, il dit à moi, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole de Dieu. Donc, moi, apprendre à vivre par la parole de Dieu. Moi, pas vivre par mes circonstances. Moi, pas vivre par mes conditions. Moi, pas vivre par mon désespoir. Moi, pas vivre par l'opposition. Moi, pas vivre par l'opinion du monde. Moi, vivre par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Te prends cette décision-là. Te mettre ça ancré dans tes cœurs. Irrespectif l'opinion du monde. Irrespectif l'opposition. Irrespectif persécution. Moi, pour vivre par la parole de Dieu. Jésus, sa parole, il dit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole de Dieu. Me vivre pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Mais il fortifié par la foi. Maintenant, regarde bien. Tu as la foi capable faiblir ou tu as la foi capable fortifier. Tu as la foi capable d'être faible ou tu as la foi capable d'être faux. Mon courage, toi, fais-tu la foi d'être faux. Comment est-ce qu'il me fait la foi d'être faux? Me montre-toi comment tu fais la foi d'être faux. Me montre-toi comment tu faire de la foi vite faux parce qu'un dimon qui n'a la foi faux, c'est un dimon qui peut réussir à faire ce rêve une réalité. Ok? La foi, tu as besoin de mettre la force dans la foi. Tu as trouvé, frères et sœurs, pareil comment nous manger, quand nous mangeons, nous peut nourrir nous. Dans sa nourriture-là, il y a la force, il y a la protéine, il y a la vitamine. Ben, la Bible dit nous comme ça dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Dans sa parole-là, il y en a quoi? Il y en a la force spirituelle, il y en a la vitamine spirituelle, il y en a la protéine spirituelle. Ça même qui nous besoin. Nous besoin la parole de Dieu. Donc, au lieu qu'il te laisse toi influencer pour ça qui te peut trouver ou pour ça qui te peut tendre, non, toujours médite la parole de Dieu. Ce parole, c'est la force. La parole de Dieu, c'est la force. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Gloire à Dieu. Donc, il n'est pas faibli pour la foi. Il fortifie dans cela foi. Il est plus fort dans cela foi. Vas-y. Il fut fortifié par la foi. Fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Comment il fortifie pour cela foi? Il donne bon Dieu la gloire. Même qu'il n'y pas encore trouve ce miracle. Même qu'il n'y pas encore trouve sa promesse, la vie une réalité. Même qu'il n'y pas encore trouve qu'il cherche à qui bon Dieu fait promettre lui. Il te donne bon Dieu la gloire. Frères et sœurs, bon courage. Ça qui te donne prier là. Comment on se remercie bon Dieu? Même que tu n'as pas encore trouvé lui. C'est un qui appelle la foi. Merci Seigneur pour cet enfant que tu m'as promis. Merci Seigneur pour cette maison que tu m'as promis. Merci
merci Seigneur pour cette bonne et parfaite santé que tu m'as promis. Pour le maître de Jésus-Christ, je suis déjà guéri. Merci Seigneur pour mon guérison. Oui, je connais du lait là, pince-toi. Oui, je connais qui faiblesse là, pévini. Mais Seigneur, merci qui te donne moi la guérison. Mon corps qui te guérit. Guéris-moi les corps. Et chaque fois que tu causes la guérison, écoute-moi, du coup, frères et sœurs, chaque fois que tu causes la guérison ou chaque fois que tu causes bénédiction, l'ennemi pourra te faire tout pour distraire toi. Une de mes armes de l'ennemi, c'est distraction. L'itiète au rigole, la parole, te rappelle un jour, Pierre peut manger l'eau de l'eau, Pierre peut manger, parce que Jésus-Christ dit, il est venu. Pierre, pas tu manges l'eau de l'eau avant. Non, non. Pierre, tu manges de la parole de Jésus avant. Jésus-Christ dit, il est venu, l'air là, suite à sa parole-là, qui Pierre, il fait l'impossible, vite possible. Il commence à manger l'eau de l'eau. Mais qui est arrivé après, frères et sœurs? L'inquiète seulement de circonstances. L'ennemi joue avec lui. L'ennemi, il commence à faire vague, il est un petit peu plus haute. L'ennemi fait l'étonne le son de sa vent-là. Sa dit vent-là peut souffler. Sa lapille-là peut battre. Et au lieu qu'il garde ce rigolo, Jésus-Christ, il laisse-le distraire par des circonstances autour de lui. Et sa distraction-là, il commence à amener sa destruction. Mais, hé, hey, n'a pas peur. Il est arrivé qu'il nous fait errer. Mais quand il dit, Seigneur, sauve-moi. Bon Dieu, étende sa la main d'amour là. Bon Dieu, étende sa la main de la grâce là. Et bon Dieu, tiens-nous. Frères et sœurs, peu importe ce qui nous fait dans le passé, la grâce, bon Dieu. Oh, la Bible dit nous comme ça. Là, quand le péché abondé, la grâce de Dieu lui surabondé. Moi, encourage-toi. Et dans la foi dans la parole, suis-moi bien, hein? Et dans la foi dans la parole, dis ensemble avec moi, Mobizan a la foi dans la parole de Dieu. Mobizan a la foi dans le sang de Jésus. Mobizan a la foi dans le nom de Jésus. Mobizan a la foi dans le leadership du Saint-Esprit. Et Mobizan a la foi dans la grâce, mon Dieu. Oh, tu as besoin de la foi dans la grâce, mon Dieu. Tenez, ça veut dire quoi, la grâce? La grâce, un de ce mot de signification, veut dire une faveur qui ne t'a pas méritée. Une petite chose qui ne t'a pas méritée. Et tu as besoin de la foi dans la grâce, mon Dieu, parce que nous ne pas tu mérites Jésus. Mais Dieu ne peut pas retenir Jésus de nous, l'une de nous, Jésus-Christ. Si bon Dieu ne peut pas retenir Jésus de nous, est-ce qu'il te croit? Il peut retenir sa miracle-là, sa guérison-là, sa délivrance-là, sa bénédiction-là de toi. Mais non, mon frère. Mais non, ma soeur. N'a pas perdu l'espoir. N'a pas laissé découragement envahir de la vie. Non. Appelle le nom de Jésus. Nous servis un Dieu puissant. Nous servis un Dieu de miracles. Nous servis un Dieu de guérison. Nous servis un Dieu qui est puissant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Jamais te faire montagne vient plus fort que te la foi. Jamais te permettre sa montagne, là, sa problème là, vient plus haut ou plus fort que te la foi. Te la foi capable de faire la différence dans ta la vie. Alléluia. Maintenant, nous avons envie de nous étudier la vie de Jairus. Parce qu'il dit ensemble avec moi, Mobizan, fortifiez-moi la foi. Mobizan, ferme la foi, vine faux. Comment me ferme la foi, vine faux? Me donne bon Dieu la gloire, me maintenir à cause, me maintenir à croire et cause sa parole. Là, me peut fortifier la foi. Me maintenir à croire et cause sa parole. Là, me peut fortifier sur la foi. Frères et sœurs, vous connaissez, vous avez un petit secret dans la vie, un petit secret personnel. Pas dire à personne. Hein? Parfois, vous connaissez, envie de perdre du poids. Vous connaissez ça? Mon envie de perdre du poids. Mais le désir de perdre du poids, il est là. Mais vous avez pris une décision pour arrêter. Une décision de discipline pour arrêter moi, certaines petites choses. Ben, parfois, quand vous dites comme ça, vous avez perdu du poids, vous avez gagné d'un coup, et il y a une certaine gâteau que vous avez évité. Il y a une certaine petite chose que vous avez évité. C'est à cause de ça que vous avez dit, quand vous avez envie de recevoir la promesse de Dieu, il y a une petite chose que vous avez évité. Évite ben la voix négative. Évite ben fréquentation négative. Évite ben quelque chose qui peut influencer toi, pour distraire toi. Apprendre et la discipline. Apprendre, mon frère, mon soeur, pour contrôler toute l'émotion. Apprendre, mon frère, mon soeur, pour contrôler ce qui peut reprendre, envahir toute la foi. Apprendre pour faire ça, frère et soeur. Sois béni. Non, dans Jairus maintenant. Là, il y a un coup de la vie de Jairus. Très important. Pas oublier de Kainet et de Plume maintenant. Cette petite chose qui nous a surpassé, frères et sœurs. Cette petite chose qui nous a surpassé pour nous capables de réussir à arriver. Est-ce que vous prêtez pour ça? Non, dans le livre de Marc, chapitre 5, s'il vous plaît. Marc, chapitre 5. Alléluia. Marc, chapitre 5. Je péris moi. Hein? Je crois, bon, je péris moi. Gloire à Dieu. Pas fait non, gloire à Jésus-Christ. Alors, laisse-nous comprendre. Avant qu'il nous lise Marc chapitre 5, je vous demande à mon épouse, donné c'est son anniversaire aujourd'hui, de lire 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean
Jean, petit Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Bon, vraiment content, frères et sœurs. Sois béni. Hein? Une famille, une seule famille en Christ. Vas-y. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Attends un moment. Il y a bien que la Bible dit. Tout le monde dit ensemble avec moi. Bon Dieu, ce parole. Bon Dieu, ce parole. Il dit que c'est un moitié. C'est un moitié. Qui m'a capable de faire. Qui m'a capable de faire. Qui lui dit, tout ce qui est né de Dieu, tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau et tu ne prends pas de baptême, tu es né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, quoi? Triomphe le monde. OK? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Non, dans Jean 16, 33. Jean 16, 33. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Nous devons comprendre. Parce qu'il a vu dans le cas, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de nouveau, je te mène la vie triomphant. Je triomphe le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. OK. Vous aurez des tribulations dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Tribulation. Alors, quand la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, qui nous triomphe le monde, ça veut dire, dans toute bonne tribulation qui nous fait face, nous nous triomphons. Ah, ah, gloire à Dieu. Toute bonne tribulation qui nous fait face, nous triomphons. OK? Correct, la professeur? Tu nous attends de parler de l'orgue de triomphe dans la France, dans Paris, mais toi, tu es une personne de triomphe. OK? Tu es un vainqueur. Tu es un vaillant guerrier. Tu es un vainqueur. Toi et moi, nous avons gagné la victoire. Et qui fait nous avons gagné la victoire? 1 Jean chapitre 5, verset 4. Et la victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe dans la tribulation qu'il y a dans le monde, c'est notre foi. C'est de la foi. Pas la foi pasteur, pas la foi grand frère, pas la foi sa sœur, là, tout la foi. Toute la foi capable de faire toi triompher toute bonne tribulation qui te peut passer. Toute la foi. Toute la foi, il faut fortifier toute la foi. Toute la foi fait la différence dans toute la vie. Donc, il y a un coup de Jairus maintenant, frères et sœurs. Notez, s'il vous plaît. Marc, chapitre 5. Cet homme qui s'appelle Jairus, s'il vous plaît. Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. OK? Vous pouvez dire à mon épouse, lire les versets 21 à verset 43. Verset 21 à verset 43. Là, nous pouvons causer cette petite chose-là. Marc 5, 21 à 43. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assemblait près de lui. Marc, chapitre 5. Oui. Chapitre 21. Oui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, voilà, nommé Jairus. Jairus vint vers Jésus. Qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Oh! Viens. Il y a un problème dans la vie, dans la famille de Jairus. Ce petit fille, bien malade, au point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Là. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Dites bien, hein? Il y a deux problèmes, sa femme Lali. Lili malade, elle perdit tout ce casse, elle dépense tout ce casse. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en expirant. Ce cas peut En empirant. Il peut dépenser tout sa casse là. Jamais il peut venir bien, il peut plus malade encore et encore. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Là, quand il met ayant entendu parler de Jésus, écrire Romains 10, 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement... Moi, je te comprends, avant mon cours sur cet obstacle-là, des différentes personnes. Jairus et la femme de perte de sang. Jairus et la femme de perte de sang. Jairus, la foi était, vine impose la mélomotifie. La femme de perte de sang, sur la foi, moi, me pour tous le beau de ce vêtement. Peu importe comment te la foi y était, bon Dieu, pour joindre toi au niveau de te la foi. Si te la foi, c'est qui t'envie, bon Dieu, impose-toi la main,
bon Dieu pour joindre toi au niveau de la foi. Si la foi, c'est qu'il t'envie, toi, touche le bord de son vêtement. Bon Dieu pour joindre toi au niveau de la foi. Le juste, mon frère, mon soeur, Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par sa foi, toute la foi. Pas de ce que les autres peuvent faire avec toute la foi. Guette un coup ce que toi, tu peux faire avec toute la foi. Parce que bon Dieu pour joindre toi au niveau de toute la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Mm-hmm. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oui, oublier, frères et sœurs, Jairus qui vient avant. Jairus dans une situation très, très difficile. Cette femme n'était pas, la Bible pas dit à nous, qui était au point de mourir, mais la fille de Jairus était au point de mourir. D'accord? Cette femme est un petit peu faiblie, 12 ans de souffrance. Pour lui faire rappeler quelque chose. Lorsque l'enfant peut naître, femme-là, elle peut commencer à souffrir. Parce que femme-là peut souffrir pendant 12 ans et qu'il n'arrivait, ses filles de Jairus avaient 12 ans. Lorsque elle peut naître, l'autre-là peut commencer à souffrir. Lorsque elle est mort, l'autre-là, l'écho peut détériorer. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus, il trouve la force maintenant. Écoute-moi. Est-ce qu'il est capable d'attirer la présence et la puissance de Jésus? Qui est capable faire attirer la présence et la puissance de Jésus? Moi, la foi capable faire attirer la présence et la puissance de Jésus. Moi, la foi attire la présence et la puissance de Jésus. Moi, la foi attire la présence et la puissance de Jésus. Moi, la foi attire la présence et la puissance de Jésus. Moi, la foi. Gloire à Dieu. Toute la foi pour agir la présence et la puissance de Jésus. Vas-y. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Oui. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché et regardez autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et pas oublier là, les temps peut compter pour Jairus là. Jésus-Christ peut en arrêter, maintenant il peut être un goût dans la foule là que ça ne touche moins. Imagine-toi, si Jairus à l'époque là, tu es un monde et tu peux dire, hey, Seigneur, non allez, comprends? Oui. Et regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter. Et là, vous ajoutez une autre quitteuse, excuse-moi. Vous ajoutez une autre quitteuse. OK? Si Jairus tient un garçon indien, il peut dire bap. Pourquoi? Aïe. Pourquoi? Parce que madame là parle donne ce témoignage. Et vous connaissez quand madame là parle donne ce témoignage, il parle raconte 12 ans qu'il est passé, qui docteur il t'a guetté, comment docteur là t'y était, qui clinique il t'a allé, qui l'hôpital il t'a allé, bap. Mais madame là peut raconte ce témoignage, peut dire ce qui Jésus-Christ, quelle grâce elle a reçue. Et entre-temps, j'ai réussi à un monde, il me dit, oh my God, oh Seigneur, dégagez madame, on gagne ça qui ou peut redire, c'est un mot tout, dégagez madame. Non, j'arrive pas à agir comme ça. Continuez. Et la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ok là. Comme il parlait encore. Lorsque Jésus peut causer, oui. Suivèrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent. Gagne un message. Quel est ce message? Ta fille est morte. Oh, le message que Jairus pas tu envie entendre, l'hypétendé. Toi, fille in mort. Pourquoi importuner davantage le maître? Laisse le maître tranquille à se taire. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Écoute ça. Souligne ça dans la Bible. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, de sa parole là, de sa bande parole négative là, qu'est-ce qu'il dit à Jairus? Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas. N'a pas peur. Crois seulement. Crois seulement. Oh mon frère, fais comment Jésus? Pas écoute bande parole négative. God te régale, oh Jésus-Christ. Là, moi, je vais te écrire, Jésus-Christ, il protège la foi de Jairus. Il protège sur la foi. Moi, je te rappelle, Jairus vient avant, mais une madame qui gagne avant. La foi et la patience, l'immense la met dans la main. OK?
Tu es bizarre content quand un autre dimun il gagne son miracle. Quand tu es dans sa latitude, hey, l'inrécit recevoir. Tu applaudis pour lui là, pas oublier. Quand tu peux applaudir pour lui, tu es autant. Ben là pour applaudir pour toi parce que Dieu vous fait grâce pour toi ici. Hey, you are next in line. Tu es le prochain candidat pour sa miracle là. Tu es le prochain candidat pour sa guérison là. Tu es le prochain candidat pour sa bénédiction là. N'a pas jaloux, n'a pas en colère, n'a pas offensé quand tout ton prochain peut arriver. Non, 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 mon frère. Applaudis, ben dimoun qui peut réussir à arriver. Applaudis et dis Seigneur, merci qui te peut faire grâce dans cela vie. Parce que ça même bon Dieu qui fait grâce dans sa vie, ça dimoun là, c'est un bon Dieu qui va faire grâce dans la vie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire, frère, ça cause les temps. Jésus-Christ allait dans la case de Jairus, et la fille qui était morte, Dieu, Jésus, ressuscite cette fille-là. Cette petite chose maintenant, qui te besoin, prends ton cahier et ta plume, cette petite chose maintenant, numéro un, écoute-moi bien, de la foi besoin vaincre ce qu'il nous appelle tradition. Écris ça. Mais la foi besoin vaincre mon ban tradition. Qui fait, moi, dis-toi ça? Ben, laisse-nous prendre compte. Jairus était un dirigeant dans le synagogue, un homme bien connu, un homme qui tout du monde qu'on lit dans la société. Okay? Mm. Et écoute-moi bien, frères et sœurs, selon le coutume ou culture de ban juif, tu n'es pas supposé courber devant un homme. Et Jairus, Lévini, lui soumettre en public, lui adorer en public. Li tombe au pied de Jésus-Christ en public. Li pan get tradition, li pan get culture et avec tout respect, li pan get ce qui religion india. Li dans un niveau que li bizarre, bon Dieu fait un miracle pour lui. Pas laisse religion tenir toi captif. Pas laisse tradition ou culture tenir toi captif. Pas laisse ça qui te manque, enseigne-toi, parce que parfois, frère, je suis avec tout respect. Nous, ban tradition ancestrale, ban j'affaire qui ban la partie connaît, je ne fais nous connaît. Soit disant, je ne peux même pas partie comme ça. Nous n'avons rien hérédité de l'ignorance. Non, frères et sœurs, nous pas vivre selon les traditions de l'homme, nous vivre selon la parole de Dieu. Pas laisse ta tradition garde-toi captif. Pas laisse à la religion garde-toi captif, avec tout respect. Pas laisse ban quelque chose qui ne fait pas la main de l'homme, empêche-toi atteindre à la main de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Pas laisse ban quelque chose qui ne fait à la main de l'homme, empêche-toi vivre au pied de Jésus. Non, frères et sœurs, ta tradition n'est bizarre pas primaire dans ta vie. La parole de Dieu qui est bizarre primaire. Nous bizarre relâche de ban tradition. Nous bizarre arrête de ban certaines cultures. Nous pas c'est toi comme ça qui ta culture pas bon. J'ai jamais dit ça. Moi je dis toi comme ça c'est moi si ta culture ou ta tradition ou ta religion puis empêche-toi vivre au pied de Jésus. Mais tu bizarre comme ça non. Religion, tradition et culture ça passe secondaire. Bon Dieu passe avant parce qu'il me donne une place qui me bizarre la grâce bon Dieu. Me donne une place qui me bizarre bon Dieu guérit mortifie. Moi, dans une place qui m'a besoin, bon Dieu, bénis moi la vie. M'a besoin l'ordre, ma culture, l'ordre, ma tradition, l'ordre, ma religion. Pourquoi? Pas parce qu'il est mauvais ou ainsi de suite, whatever. Non, parce que Dieu passe avant tout. Amen. Dieu n'est pas présent. Jésus-Christ pas présente nos religions. Jésus-Christ présente nous une relation avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord? C'est pour cela, nous croyons en Dieu qui donne nous une relationship. Une communion. Gloire à Jésus-Christ. Premier. Numéro deux. L'obstacle numéro deux. Libisin brise la crainte de perdre. C'est quoi ça, la crainte de perdre? Qui vous peut dire la passer? Numéro deux. Ben, son réputation. S'il peut courber devant un homme, il a perdu son réputation. Il a perdu son travail, il a perdu sa position. Non, j'arrive pas à dire ça. Ça partie passe avant. Ce qui est plus important, c'est que la vie de Sotifi est sur la foi envers Jésus-Christ. Alors, les pannes get ce qui, peut-être moi pas perdu, qui dit moun pou dire, et ta, qui dit moun pou dire, laisse dit moun dire ce qu'ils ont envie de dire, te donne une situation difficile. Dit moun, c'est dit moun, mais bon Dieu, li ka tia toi dedans. Dieu qui donne nous la solution. Pas père qui te parle perdu ta réputation, qui te parle perdu ta position, qui te parle perdu ce qui te tient là, ainsi de suite, qui dit moun pou dire, eh, non, mets ton regard au Jésus-Christ. Dieu passe avant tout. Mets ton regard au Jésus-Christ. Et ceux qui vivent dans la crainte, la crainte de ce qui dit monde peut dire, la crainte de ce qui société peut dire, la crainte de ce qui X, Y, Z peut dire. Non, ceux qui vivent dans la crainte peut pénaliser et paralyser la foi. Un dimon qui a la foi, il ne peut pas agir dans la crainte. Un dimon qui agit dans la crainte, il ne peut pas agir par la foi. Alors, numéro 2, relâche la crainte.
Blayette, Dieu parfois, écoute, frère et soeur, tu as trois hommes dans l'Ancien Testament, Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, ben, moi, demande-moi, combien de chrétiens aujourd'hui tu pour Shadrach, Meshach et Abednego? Quand on dit comme ça, faut obligé faire ça, ben, dire ça. Nous, bon Dieu, nous parole, nous, non, nous, bizarre, faire ça comme ça, nous. Alors, ok, frère et soeur, là, je tiens une la foi, comment j'appelle ça? Je ne pas tiens la foi commerçant, je ne pas tiens la foi capon, je tiens la foi quoi? De confiance et de confidence. Donc, il développe sa qualité la foi qu'il faut là. Je ne veux pas dire par respect gouvernement, je ne veux jamais pas dire ça. Moi, je veux dire la foi, Dieu passe avant tout, frères et sœurs. Pas de la crainte. Numéro 3, s'il vous plaît. Numéro 3, maintenant, il y a l'autre petite chose qui vient. La foule, frères et sœurs. Oh, la foule était là. Comprends-moi bien là. Tiens, là, les autres dîmes, les voisins, les camarades, les autres personnes qui sont autour de lui, ceux qui connaissent lui, ceux qui connaissent sa famille, ceux qui. Et il y a des gens qui nous ont dit tout ça, tu as des petits gens comme toi, moi, mon sens, tu pousses. Right? Et là, c'est une qualité de gens là qui l'a là. Et ben là, elle trouve ce qui sa bougla peut faire. Mais bougla peut casser la tête. Il pas casse la tête ce qui la foule peut penser l'oli. Il pas casse la tête de ce qui la foule là, mais si moi le fais ça, il peut paraître insensé. Qui dit monde pour dire non, il pas guette la foule, il guette la foi, il guette ce Jésus-Christ. Encore une fois, Jésus-Christ bizin passe avant. Ok, quatrième petite chose. Ok, mon prédicateur, 1, 2, 3, merci Nella peine de tout. Numéro 4, frères et sœurs, quelqu'un d'autre avant. Oh, quelle patience maintenant. Tout à coup, le Seigneur a été retardé. Laisse-moi dire un mot clé. Jamais bon Dieu pour un retard. Toi, tu es capable de vivre le l'air naturel, tu crois qu'il y a un retard. Mm-mm. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Un enfant qui naît avant terme, il est capable et a beaucoup de problèmes. Un miracle qui vient avant terme, il a créé beaucoup de problèmes. Vous connaissez, nous peut planter là, il y a quelque chose qui nous presse. Vous connaissez, nous trouvons ben, légumes là, peut comment sortir, nous trouvons sa cotomilie là, peut comment sortir, nous envie que sa cotomilie là, mais il n'est pas encore prêt. S'il n'est pas encore prêt, pas dérange-li. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Quelqu'un d'autre est passé avant. Mais si quelqu'un d'autre est passé avant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir la patience et la persévérance. Et maintenant, j'entends que le français commence à sortir de ma bouche. Gloire à Jésus-Christ. Alors, cette femme est venue après, mais elle a reçu avant. Cette femme, il passe avant. Oh, mais quand même ça, elle a dit, ça, vous connaissez, moi, longtemps, moi, là-dedans, moi. Peu importe comme étant tout là-dedans, même ce qui ne fait que venir pour nous voilà. L'ici un enfant de Dieu, l'ici libisait un toucher de Dieu, l'ici libisait la grâce bon Dieu. Gloire à Dieu. Par cause nous là longtemps, vous connaissez depuis combien de temps vous connaissez le Seigneur, 1983. Mais pas à cause d'un Dieu qui ne fait que le Seigneur qui te croit. Écoute-moi, tu comprends, peut-être une affaire, tout le monde croyant, un chrétien. Écoute-moi bien. Pas à cause d'un Dieu qui ne fait converti qu'il n'est pas aussi spécial que toi. Tous enfants bon Dieu spécial. Et avec tout respect, bon Dieu capable de servir un enfant pour cause avec nous. Et si bon Dieu capable de servir un bourrique pour cause avec Balaam, tu crois bon Dieu pas capable de servir un enfant ou une autre personne qui ne fait convertir pour cause avec nous? N'a pas vu une personne d'orgueil. Tu l'orgueil capable de disqualifier toi de ton miracle. Écris ça quelque part. Tu l'orgueil pour disqualifier toi de ton miracle. Dieu fait grâce aux hommes. Dieu fait grâce aux gens qui humbles. Gloire à Jésus-Christ. Alors, la madame là peut donner ce témoignage, peut dire tout la vérité, peut raconter tout qui docteur il a guetté, il a guetté docteur ceci, docteur cela, ainsi de suite, il a telle clinique, il a tel hôpital, ainsi de suite. Jairus, tu besoin de patience. Un autre mot pour patience, c'est persévérance. Jairus dit comme ça, oh, wow, si ça, Jésus-là, il est capable de faire ça pour une madame qui est malade pendant 12 ans, il est capable de faire quelque chose modifié qu'il a 12 ans. Gloire à Jésus-Christ. Cinquième petite chose. Tobizin surmonte ou vainque doute et l'incrédulité. Tobizin surmonte ou vainque doute et l'incrédulité. Dans d'autres mots, ben là, j'ai dit comme ça, c'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Pas vivre de la vie le réveil naturel. Vivre de la vie le réveil spirituel. Vivre de la vie le l'air bon Dieu. Parce qu'il m'aurait dit toi, Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Pas le tous les temps. Pas le sur les temps. Pas l'eau XYZ sur les temps. Non, l'eau sur les temps. Vous pouvez apprendre à discerner les temps de Dieu. Vous pouvez apprendre à discerner la voix de Dieu. Et lorsque, frères et sœurs, lorsque cet homme-là
Lorsque Banla peut dire, il y a ce message-là. Imagine-toi, parfois, nous pouvons croire, bon Dieu, point de quitter, nous avons un SMS, nous avons un message pour WhatsApp, un message pour Messenger qui décourage nous, qui dit, aïe, 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 si sa madame-là ne te raconte sur la vie, moi, tu finis un miracle. Non, arrête blâme d'immune. Arrête blâme d'immune. Arrête mettre ton regard devant quelque chose naturel. Surpasse le doute et surpasse l'incrédulité. Jésus-Christ lit en vie. Protège-nous la foi. Il protège la foi de Pierre. Il protège la foi de Jairus. Jésus-Christ pour protège la foi de James. Il pour protège la foi de Chéphalie. Il pour protège la foi de Vassen. Il pour protège la foi de Christine. Il pour protège la foi de Kathleen. Il pour protège la foi de Yorin. Il pour protège la foi de toute personne. Il pour protège la foi de ce bon enfant. Nous, on a un bon Dieu qui est un Dieu d'amour, mon frère, ma soeur. Il y a un Dieu d'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, rappelle tout le temps. Dieu est en contrôle. Quand tu dis comme ça, comme Alain a un mauvais message, un mauvais question, tu peux attendre. Oui, il pèse les cœurs. Oui, un homme qui a coulé. Mais seulement, Seigneur, tu es en contrôle. Tu es en contrôle. Tu n'es pas en retard. Tu es en contrôle, Seigneur. Tu peux faire grâce pour moi. Tu peux faire grâce pour moi. Mon confiance n'est pas dans la voix de cet homme. Mon confiance n'est dans tes paroles. Mon confiance n'est pas dans ce qui dit mon lundir. Mon confiance n'est dans ce que toi, tu es capable de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, sixième, bataille contre l'émotion. Gloire à Jésus-Christ. Là, il tend sa nouvelle-là, l'émotion capable de prendre le dessus de lui. Il est capable de dire comme ça, oh non, imaginez qu'il peut passer dans la tête, imaginez qu'il peut passer dans sa pensée, imaginez, là, il sorti, il a sa vision-là, ce tifi le lili, ce tifi malade, ce tifi faible, ce tifi docteur indien au point de mourir, il n'a allé, mais c'est mal, il garde l'espoir, il récit arrive jusqu'à côté de Jésus-Christ, elle le dit, il passe avant, il récit surmonte la foule, il récit surmonte tradition, mais voilà, cette fois-ci, oh non! Maintenant, besoin vaincre l'émotion. Parce que nous, l'émotion, je suis contre nous. De l'émotion, parfois, il empêche de la foi agir. C'est triste, ça, frère et soeur, lorsque l'itane ça, l'inaffecté, il dit non, impossible. Comme on a allé, mon trou motifi malade, là, mon père retourné, mon cadavre motifi. Non, mais non, te bisez contrôle de l'émotion. Pas laisse l'émotion disqualifier toi de ta destination. Pas laisse l'émotion disqualifier toi de ta élévation. Pas laisse l'émotion disqualifier toi de la promesse que Dieu finit donne toi. De l'émotion pas secondaire, parole bon Dieu primaire. N'a rien de mal avec l'émotion, frère. Dieu finit créer nous avec l'émotion. N'a rien de mal avec le colère, la colère. Dieu finit créer nous. La colère, il y en a sa place. La Bible dit nous ça, soyez en colère, mais n'a pas péché. OK? Et vous connaissez, il y a un monde avec cette colère, je ne sens condition de la vie. OK? Jésus-Christ même était quelqu'un qui était un jour en colère, mais il n'y a pas de péché. Le verset le plus court de la Bible, c'est quoi? Jésus pleure. Mais il comprend que, il comprend, frères et sœurs, bon Dieu comprend nous l'âme, bon Dieu comprend nous l'émotion. Mais Dieu dit, hé mon garçon, arrête de pleurer, réponds-toi. Hé mon petit fils, suis-toi l'âme, réponds-toi. Montrez-moi toi la foi, moi pour montrer toi ton miracle. Oh, là, tu as sûrement ben, l'émotion. Imagine-toi, Esther, les autres peuvent morcer, les PC surmontent ça l'émotion-là. De loin, les pétanes, ben, là, peut pleurer. Et cette lame, frères et sœurs, cette lame était pour sa fille. Littéralement, dis-moi, regarde ça, moi, pas connu comment l'enterrement juif, tu étais, mais l'enterrement, vous connaissez l'enterrement juif, ben, là, pleurer pendant 4 jours. Nous, Mauriciens, nous avons l'enterrement peut-être 24 heures qui ben là, la personne qui nous perdit, bien reste là. T'imagines-toi, moi, je me disais, ben l'enterrement, frère, c'est dès loin que tu finis qu'on est l'enterrement. Tu ne suives l'âme et le cri douloureux de sa personne qui nous perdit une personne qui est très chère pour lui. OK? Ben l'enterrement dans l'Angleterre, moi, toi qui te t'en dis, l'enterrement dans l'Angleterre, tu t'en dis ça. L'enterrement Maurice te t'en... Aïe, mais t'as qui pour me l'aller? Je comprends, parce qu'il y a l'émotion. Je comprends. Mais seulement, si Jésus-Christ dit qu'il peut faire un miracle, il peut faire un miracle. Amen. OK? Il peut surmonter ça. Pas juste ça, il peut surmonter. Écoute ça, Esther.
Septième, l'Ibiza al au-delà de ban reproche. Quel reproche? Mais d'abord, ban la ridicule li. Ban la fin mokli. Ben là, fait dire, ben là, soit, vous connaissez, frère, je, tente-moi, dans la vie, tu peux jouer avec beaucoup de monde hypocrite. Tente-moi bien qu'il me peut dire, toi, ils font partie de la croissance de la vie. Tu peux jouer des bonnes personnes qui faussèrent. Tu peux jouer des bonnes personnes qui, soi-disant, je compte en toi, soi-disant, je peux pleurer pour toi, mais derrière les deux, je peux t'applamer, je peux danser, je peux jubiler, je peux ziguiler. D'accord? Et il y a des gens qui malheureusement hypocrite. Et il y a des gens qui malheureusement pas honnête. Et il y a des gens qui malheureusement peine à toi, pas tenir à toi à cœur. Mais tu as la foi pas dans l'action des gens, tu as la foi dans l'action de Dieu. Qui Dieu peut faire pour toi? Nous, c'est bien un Dieu qui intègre, un Dieu qui sincère, un Dieu qui pas pour embêter toi. Ton bon camarade qui avant embête toi. Mon gars, un bon camarade embête moi. Mon gars, un bon personne qui dit, moi, je te compte en moi, c'est moi, je peux embête moi. Nous, bon Dieu, jamais pas pour embêter nous, frères et sœurs. Jamais nous, bon Dieu, pour jouer en nos sentiments. Jamais nous, bon Dieu, pour délaisse nous. Jamais nous pas servi un bon Dieu hypocrite. Nous servi un Dieu de grâce, un Dieu sincère, un Dieu intègre, un Dieu qui capable, écoute-moi bien, frères et sœurs, un Dieu qui tient la honte qui donne nous la victoire. Un Dieu qui tient la honte et qui donne nous l'allégresse, la joie. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'Ibizin maintenant surmonte tout ça dans le reproche-là. Dis-moi, tu peux ridiculiser. Qui te parle de tes films? Nous ne tâtons le pouls. D'accord? Nous ne comprenons. Docteur finit dire, maintenant, te dire comme ça, il peut dormir. Nous ne connaissons pas la différence entre dormir et mort. Mais Jésus-Christ, il vous a protégé sur la foi. Te bizarre apprendre à mettre Bandimoun qui ridicule toi, mettre Bandimoun qui reproche toi tout le temps. Tu dis comme ça, moi, content toi? Sois béni. Mon bacard, laisse-toi la voix d'hypocrite influence-moi la foi. Vous entendez qui me dit là? Moi, pas capable, laisse la voix hypocrite influence, moi, la foi qui sincère. Moi, la foi lit en Dieu et sa parole. Et moi, pour gagner ce qui bon Dieu dit pour moi. Moi, pour vivre ce qui bon Dieu dit, moi, capable de venir. Moi, pour capable par la grâce de Dieu. Moi, pas vivre par l'hypocrisie, moi, vivre par la grâce, mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, les bizarres surmontent tout ça là. Et à la fin, frères et sœurs, la fille qui tout dit, moun, in dia in mo. La fille qui tout dit, moun, dit, laisse le maître tranquille. Satifie-la et ressuscité. Oh, imagine-toi, il trouve satifie-la, il y a trop satifie-la, cela, mais l'issière satifie. Oh, quelle joie dans cette maison! Quelle joie dans cette maison! Qui nous donne ça la joie là? Qui nous donne sa restauration là? Qui nous donne sa bénédiction là? Sur la foi de Jairus. Imaginez. Alors, m'aurait dit, si un dieu capable de récréer les sept choses qui te la foi bizarre surmonter. Numéro un, il nous dit tradition. Right? Man tradition, man culture, man religion, ainsi de suite. Tradition de l'homme, religion de l'homme, ainsi de suite. Numéro deux, qui nous dit la crainte de perdre de position, perdre réputation, ainsi de suite. Non, ta réputation secondaire. Oh, ta réputation secondaire. Bon, tu passes avant. Numéro 3, qui nous dit la foule, qui du monde peut dire, l'opinion du monde, ainsi de suite. Numéro 4, et elle le du monde passe avant. Non, mais gloire à Dieu, l'ingay pour libre, moi aussi, mon prochain candidat là. OK? Numéro 4. Numéro 5, surpasse tout ban doute et l'incrédulité. Surpasse tout ban doute et l'incrédulité. Numéro 6, qui nous dit la guerre, sa bataille contre l'émotion là. Pas laisse l'émotion prendre le dessus de la foi. Contrôle tes émotions. Ressaisis-toi. Et les corrects, tu es capable de pleurer. L'homme n'est pas un péché, sa frère et soeur. Tellement qu'il me dit, là, hein? L'homme n'est pas un péché. Mais c'est moi suis que l'homme marche par la foi. Et finalement, qu'il nous dit, élève au-dessus de tout mon reproche. Élève au-dessus de tout mon reproche. Tout mon reproche de Mandimon qui ridicule nous, qui rit nous, qui bouffonne nous. Pas get Dimon qui peut bouffonner toi, get bon Dieu toi. Parce que vous connaissez, frère et soeur, tu as beaucoup de Dimon qui bouffonne moi. Dimon qui appelle moi, tu as été non. Mais ça même, Dimon, aujourd'hui, pour la grâce, bon Dieu, je peux servir le Seigneur ensemble avec moi. Nous, pas tu connais. Maintenant, ben, l'un connaît. Je viens goûter la grâce, bon Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'espère que je apprends quelque chose aujourd'hui, frères et sœurs. Moi, j'espère que je suis béni par la parole de Dieu. Et mon madame, paye type tout ça, ben, petite chose là, le YouTube. Et mon encourage, Nélas, tu es capable, ou d'autres personnes, écrire ça, cette petite chose là, pour une personne, et tu peux vraiment bien. Ceux qui tient content, gagne mon note.
demande des trois sœurs, Shirley, Priscilla, ainsi de suite, pour mettre nous bonne note. Ceux qui sont contents de gagner cette note-là, qui sont membres de nous l'Église ou pas, et ont envie de gagner cette note-là, envoyez-moi un messenger, envoyez cette note-là gratuitement, frère et sœur. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui l'enseigne moi ça. Moi, pour donner toi ça cadeau, net diamant ton numéro de téléphone, net diamant ton message. Quand mon cas va voir toi ça, nous avons été nous ma note. Nous avons envie de t'apprendre, nous avons envie que sa parole-là gravée dans tes cœur. Nous contentons, nous désirons tout toi progresser. Moi, pas les trouve toi dans le désespoir, moi, pas les trouve toi découragé. Moi, comprends te douleur, moi, comprends te chagrin, mais c'est moi, comprends puissance, mon bon Dieu. Moi, comprends qu'il me bon Dieu les grands. OK? Donc, si tu as besoin de sa note là, si tu as besoin de récit en note, tu as besoin de sa note là, moi encourage-toi encore et encore et encore. Écoute sa bonne message là, porte sa bonne message là, porte sa bonne note là. Fais-moi du monde trouve la grâce bon Dieu. Fais-moi du monde trouver et goûter comment le Seigneur est bon. Alléluia. Moi, senti dans mon cœur aujourd'hui, moi besoin de prier pour du monde qui peut-être peut vivre dans découragement ou désespoir. En passant, moi, tenir à remercier tout mon membre de nous, l'Église Christian Family Church, pour lui. Christian Family Church, pour lui, ou un peuple merveilleux, ou un peuple généreux. Frères et sœurs, si aucune bonne personne qui est vraiment dans le besoin, pas mal de gens qui paraissent, mais mal de gens qui vraiment dans le besoin, mal de gens qui peinent à manger dans la case, mal de gens qui ont des enfants qui peinent à manger, peut-être une petite travail, je peine à nanier, je suis vraiment dans le besoin. Fais-nous connaître. Nous, l'Église, nous, l'équipe, ensemble, nous envie à aider bonne personne. Nous envie à vers cette bonne personne-là et dire Jésus-Christ compte en eux. Et dire que, chrétien ou pas, nous pas obligé de chrétien, il est besoin d'immune. L'humanité est importante, frères et sœurs. Nous besoin de compassion. Jésus-Christ baptise, agit pour bonne personne qui chrétien et qui agit pour tout le monde. Tout le monde égal dans les yeux de Dieu. Nous besoin de sa compassion là. Si vous connaissez un monde qui vraiment peine dans la nourriture, nous l'Église Christian Family Church ce bon membre, nous collaborer, nous contribuer ensemble, nous capables d'aider bonne personne. Faire nous connaître s'il vous plaît. OK? Bon Dieu bénisseur. Laisse-nous prier maintenant, frères et sœurs. Mon frère, mon sœur, pas reste dans le désespoir, commence à vivre par la foi. Mon bon courage, prends un petit pain. Vous connaissez, une fois, mon père tient un an dans la case. Et qui m'en fait, mon tient un petit pain à tirer assis. Mais mon prend même ce petit pain assis là. Mon dit, Seigneur, tu me fais l'alliance avec moi. Et mon prend un petit pain assis là. Et ça joue là, mon père tient un. Mon dit, où la vérité, mon père tient un fruit de la vie. Mon patina jus raisin. La vérité, ça. Moi, j'ai un petit jus amande. Je dis, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi de dire sans lui pouvoir je dis. Mais Dieu comprend. Il y a un symbole, ça, frère et soeur. Alors, mon courage, prends un bout de pain, prends un jus. Prends-moi un jus, un fruit de la vie. Mais si vous prenez un fruit de la vie, pas les démons condamnés. Prends un jus. Prends ça du pain ensemble avec nous. Prends ça du pain ensemble avec nous. Si vous prenez du pain, prenez un bout de biscuit. C'est un symbole, ça, frère et soeur. Bon Dieu comprend. Bon Dieu comprend. Prends ça du pain là. Dis ensemble avec moi. Dis Jésus, me crois dans toi. Me crois ce qui te fait pour moi sur la croix du calvaire. Te donne de la vie pour moi. Te l'écho est brisé et meurtri pour moi. Symbolique avec cette pain, tu bénis le pain, tu donnes-moi l'écho béni. Tu as rompu le pain. Sa bout de pain là représente l'écho. Ce matin, me prends ceci en mémoire de ce qui toi, Jésus, tu le fais pour moi. Porte la grâce. Me prends cette pain par la foi. Tout ce qui te dit à moi été, c'est moi été. Tout ce qui te dit à moi capable de venir, c'est moi pour venir. Tout ce qui te dit à moi capable c'est moi. Au nom de Jésus, on fait l'alliance avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Prends le pain ensemble. Alléluia, gloire à Jésus-Christ.
prends le fruit de la vigne, prends le jus et dis ensemble avec moi. Te disant et lave-moi. Te disant et lave-moi. Et purifie-moi. Et purifie-moi. De tout mal péché, de tout mal péché, transgression, transgression et iniquité. Et iniquité. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu es un Dieu. Dieu, d'amour, d'amour et miséricorde. Et miséricorde. Tu es un Dieu de grâce. Tu m'as péché. Qui m'a fait faire. Moi, humilie-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Lave-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché. Maintenant même. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Et courage. Et courage. Pour pas répéter. Ça m'a péché là. Donne-moi la force pour vaincre l'ennemi. Maintenant la foi dans la présence de Jésus-Christ. Maintenant la foi dans la parole de Jésus-Christ. Maintenant la foi dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant la foi dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant la foi dans le leadership du Saint-Esprit. Maintenant la foi dans la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ. Jésus. Et me dire, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Me prends ceci comme une alliance avec toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Mon Dieu, bénis-je. Connais mon petit conduit batterie longtemps. Mon sagrin qui ne m'a pas conduit la guitare. Je vais conduire piano, mais je vais conduire radio, je vais conduire cassette, je vais conduire la musique. Nous encourageons. Louange et l'adoration est très important dans la vie. Ok? Passe le temps avec Dieu, passe le temps avec sa parole. Laisse-nous terminer en prière, frères et sœurs. Étends-nous de la main. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, bénis chaque personne. Yes. Saint-Esprit, fais-nous rappeler toute bonne parole qui nous apprend aujourd'hui. Donne-nous la force, donne-nous la foi pour surmonter tout bon l'obstacle de la vie, pour ainsi trouver nos miracles, pour ainsi atteindre la destination de nous la vie, ce qui toi t'as appelé pour nous, ce qui toi t'as ordonné pour nous. Toutes bonnes promesses de Dieu sont oui et amen. Seigneur, nous avons envie de recevoir toutes bonnes promesses, mais nous aussi envie de vivre par tes bons principes. Seigneur, aide-nous, dirige-nous, ordonne-nous bon pas, montre-nous, enseigne-nous, aide-nous. Seigneur, nous la foi fait la différence dans nous la vie. Nous ne justifions pas te disant, Seigneur, le juste vivra par sa foi. Nous ne vivons pas la foi, Seigneur. Nous avons la foi en toi. Nous connais Papa Céleste, qui est un Dieu merveilleux. Toi même El Shaddai, toi même grand Dieu Adonai, toi même Jéhovah, Dieu Tout-Puissant. Toi même Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de nous la vie. Merci, Papa. Bénis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, donne-nous la force. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant même. Nous bisons toi. Merci, Papa, pour toute la grâce. Dans le nom de Jésus. Et nous te disons ensemble. Amen. Amen. Ben, bien content, on passe un bon moment avec vous ce matin. À tous ceux, avant qu'ils nous allaient, nous avons envie de dire un petit peu bonjour, peut-être à toute bonne personne qui l'a. Avinash, le frère Ramesh, le frère Stéphane, le frère Daya. Bon Dieu, bénisse la sœur Annick, tous ceux qui pèsent ensemble avec nous, sur, aussi sur YouTube, Béatrice, Kathleen, Wanda, Sophia, et tous ceux qui pèsent nous encore et encore. Merci beaucoup. La sœur Myrna, la sœur Karen, lui, et tout le monde, les autres personnes, Nella, bon Dieu béni, oui. Nous ceux qui pèsent nous de la France, tout le monde, personne qui pèsent nous de l'Angleterre et d'autres choses, que ce les nous bien content d'être ici. Yorine, sois bénie. Christine et Stéphane, sois bénie. S'il y en a d'autres personnes, merci. Avina, sois bénie. Shebna, sois bénie. Gloire à Jésus-Christ, sois bénie, motifie. Fais-moi guérir hier quand tu mets tout ça, man. Shebna, quand tu mets tout ça, man, gâteau là. Mon père maîtrise, moi, les mots tout ça, man, gâteau là. Ben, merci, moi, amuse, moi, un ticket avec mon gâteau. Daniela, bon Dieu, bénis-toi. Et merci pour ceux qui nous disent bon anniversaire à Pasteur Shefali. Bon Dieu, bénis-toi. Illich, bon Dieu, bénis-toi. Illich, bon Dieu, bénis. Lisby, Sylvie, tous ceux, nous, bonnes personnes qui nous bien appréciés, qui se demandent du monde merveilleux. Merci, merci, merci. Merci pour ce bon comment. Josué,
Bon Dieu bénis toi. Nous passons encore une deux minutes, nous dire bonjour, nous dire bonjour un peu à une personne encore qui nous trouvait la gloire à Jésus-Christ. Alors qui nous est encore, nous est Jean-Paul, Jonathan, bon Dieu bénis toi. Céline, bon Dieu bénis toi. Je te peux écouter nous. Vassan, bon Dieu bénis toi. D'autres personnes encore, nous avons un petit coucou. Outam, la famille Sissarane, bon Dieu bénis eux, gloire à Dieu. Cela nous est encore. Sophia, bon Dieu bénis toi. Gloire à Dieu. Chevalier, peut-être, merci Sophia. Alors, Bella, vous connaissez pour dire bon appétit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma madame. Vous avez pour manger un gâteau. Gloire à Dieu. Et mon gâteau. Et tu peux lire dans la Bible que l'homme de Dieu qui appelle Élie, il dit avec madame là, la veuve de Sarepta, qu'il y a un gâteau pour moi avant. Je comprends lui, parce que moi, je peux dire qu'il y a un gâteau pour moi avant. La sœur Désirée, merci. Bon Dieu, bénisse. Merci beaucoup. Mike et la famille Sadalva, bon Dieu, bénisse. Merci. La sœur Elna et le frère Grégoire. Merci. Jean-François, sois béni. Josiane, sois béni. La famille Rosière, famille bien bénie. Jeff et Cheryline. Cheryline, bon anniversaire à toi ici. Joyeux anniversaire, bon Cheryline. Anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à toi aussi. Et tous ceux encore qui sont encore là, les étudiants encore, une minute de coucou. Jean-Dany Maurice, bon Dieu, bénis ton beau garçon avec ta famille, ton épouse, tes enfants, bon Dieu, bénis abondamment et surabondamment. Stella, bon Dieu, bénis-toi. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Daya. Happy birthday to you, sister, les pédiatres. Donc, gloire à merci. Dieu. Alléluia. Moi, c'est mon anniversaire. Bientôt, frère, c'est mon anniversaire. C'est l'année prochaine. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cindy, Cinderella, bon Dieu, bénis-toi. Pas oublier, dans quelques instants, nous pouvons poster le vidéo de bandes enfants et de bandes jeunes aussi. Donc, de bandes jeunes aussi, nous pouvons poster ça dans quelques instants, là, dans 10, 15, 20 minutes. Les temps upload, tout ça là. Et je peux vraiment bénir nous, bandes enfants. C'est bandes enfants de grâce, bandes enfants intelligents, bandes enfants de talent. Et nous vraiment comptons ça. Tatiana Eré, de la France, sois béni ma fille, sois béni, compliment à Maëva, compliment à papa et à maman Gilles et ta maman, et compliment à toute Tatiana, sois béni. Moi tu connais Tatiana quand j'ai dans mon corps 6 ans ou quelque chose comme ça, tu peux jouer avec Karen, sois béni Tatiana Erré, alléluia. Alors c'est ici que je vais prendre congé de vous, maintenant je parle français un petit peu, c'est ici que je vais prendre congé de vous, c'est maintenant qu'il me dit bon appétit frères et sœurs, bon Dieu bénisse, nous bien contents. Manger et pas oublier seulement de bon Dieu mange à tout le monde. Oui, mm-hmm. Merci aussi Sheila pour le gâteau. Sheila, merci. Moi, je mange ce gâteau-là, la Sheila. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mm-hmm. C'est son anniversaire, mais moi qui pour moi ce gâteau. Gloire à Dieu. Nous vraiment un peuple béni, nous aussi, pour salutation à nos petites filles. Karen, maman, oui. Papa, mon maman, mon papa, merci pour ceux qui peuvent prier pour mon papa merci. Et mon maman. Nous occupons gloire à Dieu, merci qui se prie pour nous gagner courage. Sois béni. Et aussi à maman et papa du côté de la famille Ganou, mon beau-mère et mon beau-père, sois béni. Bye bye. Bye.